Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Solasta sur le donjon de Sermanes et notamment sur les épreuves de Kalon. Alors désolé, il y a une petite pause de quelques semaines entre les épisodes, malheureusement à cause de manque de temps, je n'ai pas pu tourner. Et je suis toujours un peu short en planning, mais là je trouve un moment, j'aurais essayé au moins de terminer ce donjon là. Pour que Sir Madness puisse voir un petit peu ce que ça donne. Et du coup, on va se relancer. Alors, j'ai fait une petite session de soins avec nos personnages, puisqu'on arrive dans ce quatrième donjon un petit peu en mode que se passe-t-il. Et on se lance dans la quatrième épreuve de Kalon. Vous enfoncez toujours plus profondément sous le cloître des neiges éternelles, sur le chemin de Kalon et ses choisis. Il y a de plus en plus de poussière à mesure que vous enfoncez sous terre, de moins en moins de lumière. Mais plus vous avancez, plus votre détermination est forte. Vous comprenez que la persévérance est une vertu qui s'entretient. Vous souriez à vos compagnons en leur faisant un signe de tête vers la statue de Kalon qui vous attend. Qui est avec moi? Et bien sûr, ils y vont tous. Alors, on a le petit texte ici. Tu as décidé de suivre le chemin de Kalon, champion. Dans les ténèbres nous irons, dans les ténèbres nous résisterons. Je suis Kalon et je n'ai plus d'espoir, dans la pénombre j'avance jusque dans le noir. Je suis Kalon et je touche au but sans le savoir, j'avance sans me retourner, sans m'arrêter. Je suis Kalon et la soif me gagne, la faim, je suis épuisé d'avancer, rien autour de moi que d'obscurité. Je suis Kalon et je baisse les yeux. Concentré sur mes pas, je titube, je trébuche, mais je ne tomberai pas. Je suis Kalon et dans les ténèbres j'avance. Champion, iras-tu? Et maintenant, on est carrément les champions. Pas aller par là, on va donc ouvrir cette porte. Alors pour avancer visiblement il va falloir qu'on fasse un petit peu d'escalade et au loin c'est bien sombre effectivement. Et c'est bien calme aussi. On va envoyer Roger en éclaireur. Ça ressemble bien à une fosse de combat cet endroit. Ok, pour l'instant on voit strictement rien ni personne. Je sais pas si c'est bon signe. En tout cas Roger... Roger se balade. Ah, ici on a une goule de Skarn. Est-ce qu'elle sera toute seule? Ça me surprendrait un petit peu, mais bon, on va essayer de descendre un petit peu là pour voir. Ok, là on a un squelette. Squelette de base. Squelette goule, donc c'est des monstres qui sont obligés de descendre. Hein. Squelette, archer squelette, archer squelette. Ok, au fond on a quelques archers squelettes. Quelques. Il y a du monde quand même, il y a sacrément du monde. Ce qui veut dire que on va pouvoir envoyer nos personnages. Par exemple par là. Alors est-ce que là il va réussir à faire le tour? Par où il va pouvoir passer? Il nous tourne le dos, hein, donc c'est plutôt le bon plan. On va rester planqué. Et je pense que on va pouvoir lancer un combat. Je me souviens plus, je crois que c'est ça pour la sauvegarde rapide, ouais, voilà. Alors, on va essayer de one-shot un squelette tant qu'à faire. Nous tournent tous le dos, c'est bien, c'est plutôt bien fait pour le coup. Le 9 ça passe, oh, ok ça passe, parfait. Là par contre, un petit peu de dégâts de flamme. Bim, parfait. Ah, on s'est fait repérer. Allons-y. Ok. On s'est fait repérer aussi. Putain, pourtant on a fait 21. Hein. Tant pis. Donc là, plutôt, on va viser le dégât physique avec lui. Il se rate. Dommage.
s'est massivement fait repérer, donc on va se faire arroser de flèches. Il n'y a que notre ami Roger qui a été suffisamment efficace pour ne pas se faire choper. Et ça c'est presque trop loin déjà. Allez, c'est pas grave, ça passe. On n'a pas d'attaque sournoise là. Ah dommage. Ça c'est embêtant. Ok, une de moins. Alors là par contre, ils sont vraiment trop loin, donc on va y aller sur ce squelette. Toi c'est pareil, ça c'est trop loin, donc go. 5, ça suffit pas à le finir, dommage. Alors, on va pouvoir commencer à se réorganiser un petit peu selon comment ils viennent. Notamment s'ils décident de faire le tour comme ça, ça risque de pas être fun. Alors les squelettes, s'ils nous tirent dessus à cette distance, c'est pas un problème, ça ne me dérange pas. Alors, par qu'on fonce. Ah, dommage, raté. Alors ici, ça serait bien qu'on puisse éventuellement se replier. On va d'abord mettre un petit coup ici. Ah non, pas se rater sur ça. Tant pis. Toi, c'est parti, allume. Ok, toujours ça de pris. Alors, avance d'une case toi, pour couvrir un petit peu. Et mets un coup de hache. Et tu fais un 1. Parfait! T'as droit à une deuxième attaque quand même. Et tu fais un 4. Tu prends la mesure des choses. Je ne suis pas sûr que tu prennes bien la mesure des choses, Mad. Permets-moi d'en douter. Ok, ça, ça touche. Heureusement, il fait un 1 sur 100 dégâts. Ça, ça rate. J'aurais cru qu'il allait venir au contact de Damned, mais visiblement non. Ah, et là ils ont plus de malus par contre, à cette distance apparemment. Ça c'est plus chiant. Deux attaques. Waouh. Va falloir toucher hein, par contre les gars, parce que. Il y a un moment où. Ça va pas être possible quoi. Oh là là, vous êtes sérieux? Never stood a chance. Ouais, c'est toujours ça de prix, on va dire. Alors là, du coup, on va tant qu'à faire essayer de ne pas avoir le bonus, enfin le malus plutôt. C'est parti, crame la tronche. You die, ok, un petit 12, c'est toujours ça de prix. Ici. Lui, on a une bonne vision. Là, par contre, c'est pas ouf. Je pourrais venir me mettre là. Je serais protégé de eux et j'aurais un bon angle pour lui, leur cramer la tronche. Alors, sur celui-là, malheureusement, c'est pas idéal, mais bon, c'est toujours ça de prix. Oh, 4, t'es sérieux. Allez, faut diminuer cela. Ok. Deuxième chance. Raté. Oh oh. Oh, 19. 19 qui pique. Heureusement qu'on a une bonne armure. Hein. Allez Roger, il faut tenir. Ça s'est raté. Ça s'est raté aussi.
Et ça, c'est un critique. Ok, rejet en caisse. Rejet en caisse, mais il va pas non plus encaisser 107 ans. Hein. Donc faut venir ici pour pouvoir avoir. Voilà, l'attaque sournoise. Parce que là, faut maximiser le DPS très clairement. Alors là, non, on fait pas ça, sinon on va perdre malus. Toi, tu viens là. Il faut cramer ces ghouls. Genre vite. Voilà, parfait. Toi, si tu pouvais, genre toucher. Ah, voilà, 20 dégâts. Bon, du coup, il reste un PV. Ça aurait été cool de le terminer qu'il rattaque pas, mais bon. On peut peut-être. Yes! Ça, c'est parfait. Ça, c'est très très bon, ça. Le 20. Ok, le 20 sur Mad. Alors là, on prend l'attaque sournoise, mais c'est un 1. Pas de bol. Ok, 18 avec une dague, c'est toujours ça de prix. Là, ils sont trop loin. Hein. Ouais. Essaye donc de t'approcher un peu. Ah, ils sont quand même trop loin, bah tant pis. On va quand même lancer un petit sort pour l'instant comme ça. On fera mieux la prochaine fois éventuellement. Toi, est-ce que tu les vois ? Oui, c'est parti. 1. Parce que pourquoi pas. Run while you can. Allez, cours. L'arme spirituelle, non, c'est peut-être pas la peine quand même. Ils aiment pas rouger, hein. Non, c'est pas ça. C'est ça que je veux. Et je veux foncer jusqu'ici. Puis bah du coup, vu que je peux pas attaquer comme ça, on va prendre l'arc. Raté. Ici, on devrait être assez proche. Allez, si on pouvait finir celui-là au moins. Non. Lucky? Eh ben voilà. Perhaps. Voilà, voilà. On va venir ici, des fois qu'on attire un petit peu les flèches, ça changera que ce soit Roger qui prenne. On va même foncer carrément. Good arms you got. Oh non mais sérieux, il arrive à toucher, en plus il fait 8 quoi. Avec une épée courte bidon. Ça fait mal. Ok. C'est la victoire. Bon, il va falloir qu'on... Il va falloir qu'on crame, je pense, notre sort. Alors on peut faire une prière de guérison, mais le problème de la prière de guérison, c'est que on peut lancer qu'une fois en fait. Enfin on peut mettre qu'une. On peut lancer que sur une personne. Alors il y en a une autre. Que je n'ai pas peut-être. Ou alors ça a peut-être été modifié. C'est peut-être après, il y en a une autre, il me semble, où on peut choisir la même cible plusieurs fois. Mais c'était peut-être la prière de guérison qui a été nerf, hein, parce que c'était un peu abusé. On sait combien on soigne. 2d8 plus bonus de caractéristiques, et le soin, c'est 1d8 plus bonus de caractéristiques. Alors, de toute façon, c'est plus intéressant de lancer ça, parce que ça soigne plus, et qu'en plus on peut soigner nos deux personnages. Même si on n'en choisit que 2 sur 6. Ouais, bah 2d8 et on fait 7, c'est naze, hein. Mais bon, c'est comme ça. Toc, on va peut-être qu'à tout prendre, voilà, toi, même si t'es un petit peu ralenti, on fera le tri après.
That's impressive. Alors, des flèches, 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 encore des flèches. Arc, arc. Alors, qui c'est qui est pas trop plein? On commence globalement à être... Ouais, c'est ça. Hein. Assez plein, c'est bien ce que je me souvenais. Toi, il te faudrait des carreaux, donc du coup, tu vas prendre ça. Voilà. Toi, pourquoi t'as un malus, là? Aucune munition valide, ah oui. C'est bon. Les flèches, c'est pour toi. Voilà. Et donc. Hop. Non, il est encombré. Rien qu'en faisant ça. On t'enlève une dague. Ça suffit pas. Un arc, c'est lui qui est encombré. Ouais, il va falloir qu'on sacrifie des trucs. Les plus lourds du coup, ça pèse 2, ça pèse 2, ça pèse 4 le bâton, allez hop, on vire, ça pèse 2, la dague ça pèse 1, bon on est plus encombré mais on est au bord de chez au bord, donc toi tu vas prendre une petite potion, on repasse en prudent et on avance. Alors, on a passé l'épreuve, donc on peut aller jusque là-bas. Il n'y a pas un petit coffre caché, j'ai pas l'impression. Qu'allons en veillant sur l'épreuve. Alors, tu as décidé de suivre le chemin de Calonne, champion. Avec pour bagage toujours trop, avec pour bagage notre fardeau. Je suis Calonne et je n'ai plus d'espoir, des années que j'avance dans les ténèbres, des années je ne me suis pas arrêté, j'ai continué, je suis Calonne et je ne pensais ne jamais tomber, je suis tombé. Je suis Calonne et rien ne peut m'arrêter, dans la poussière de ces ténèbres, sous le poids de mon fardeau assoiffé, affamé, dans la terre entre les eaux, je suis Calonne et j'ai rampé. Champion, pourras-tu ramper? Excusez-moi, afin que je tousse. Alors, est-ce qu'on va devoir ramper? Oui. On va envoyer Roger ramper, hein. Ça me paraît plus sûr. Encore une goule de Skarn, ça m'étonnerait qu'elle soit toute seule. On descend donc un petit peu dans la fosse. On peut aller par ici, on va aller jeter un œil. Il y a une goule là, il y a une autre goule là. Ça va devenir tendu. Là, c'est quoi? Un archer squelette, ok. On va dire se recentrer. On peut monter là-dessus. On peut monter là-dessus. Ah zut, tiens, un escalier de l'autre côté. Je me disais, ça pourrait être pas mal parce que quand on est à 2 de hauteur. Au-dessus des ennemis, ils peuvent pas nous détecter, donc du coup, ça, même si ça avait pas été montable ici, ça aurait pu être un endroit intéressant à occuper. Et, donc, ce serait, même si les ennemis étaient passés en dessous, ils nous auraient pas vus. Mais il y a quand même des bonnes chances que les ennemis traversent. Ok, donc en gros, on va pouvoir se placer ici. Toi, tu vas là. Toi, tu vas là. Toi tu vas là, voilà. Et c'est parti. On va les forcer à venir. Hein. Ah, il y a un exécuteur squelettique. Diantre. Ah non, mais en plus Roger s'est fait repérer, t'es sérieux. Roger quoi. Pourquoi? Je pose la question. Pourquoi te faire repérer? Bon,
visiblement on va tous se faire repérer. Au moins ça veut dire qu'ils vont venir vers nous. Non, les mages résistent un peu. Oh, il y a tellement de monde et on a aucun sort, on est complètement à poil. Oh, il n'est pas morte, putain. À 4 dessus, on n'arrive pas à tuer une goule quoi. Il y en a 4, plus l'exécuteur squelettique, plus les archers. Quelque chose me dit que ça va être tendu. Tu vois quelque chose par là-bas? Ouais, mais alors bon, là c'est carrément le bout du monde. Bon, cela dit, les autres ne voient rien, donc tente quand même. Je vois ça de prix. Toi, c'est pareil, tu vois pas là, non. Et donc là. Alors, Mad avec un désavantage, ouais, voilà, Mad avec un désavantage, c'est mort, hein. Aucun moyen que ça passe. Bon, lui il va charger. J'aurais pu me mettre en préparer une attaque, hein. C'était, ça aurait pu être pertinent aussi. Alors là, on va essayer de cramer la tronche de ce monsieur. 8 de dégâts, c'est pas mal. C'est un bon démarrage. Ok, il saute. Toi, si t'avais moyen de te finir celui-là, normalement tu fais au moins un dégât même si tu rates. Voilà. Donc ça c'est cool. Oh, le 19 avec des avantages quoi. Et en plus il fait 7 de dégâts. Roger qui prend cher. Ah ouais, non mais je pense que là, ce combat là, il va falloir qu'on dorme et qu'on revienne qu'on revienne en état parce que c'est pas possible quoi. Alors, là ce qu'on va faire c'est qu'on va allumer celui-là. Well struck. Et niveau placement, si on veut qu'il grimpe, on va se mettre par là. Je pense qu'on va équiper ça. Ici c'est pareil, on tire, un petit 1, parfait, recul. Et au niveau des sorts, on en a plus. Did we not say silent? Allez, cramez-moi cette goule. S'il vous plaît. 16, ça c'est bon, ça c'est des dégâts qu'on aime faire ça. Ouais, mais du coup elle va être au contact avec moi. J'avais pas pensé à ça. Allez là. 5, mais faut que t'arrêtes de rater, je t'ai mis des bonus. Quand tu rates, mais t'es quand même censé ne pas rater à un moment. Fatalement, c'est censé arriver, quoi. Ouais, mais ils sont combien? Ah, le 18. Ok, Damned qui prend un petit dégât. Là encore du squelette qui arrive. Alors, faut se faire l'exécuteur là. Parce que lui par contre, il va piquer. Ok, 2 c'est pas mal. Tu passes le tour. Allez Mad. Mais non, non mais faut arrêter. Faut arrêter les échecs critiques Mad, hein. Sérieux quoi. Oh. Bon bah. Ok, ça va, heureusement qu'on a des bonnes armures. Alors ici, ça serait pas mal qu'on arrive à le shooter pour reculer du coup, parce qu'on a un peu merdé malheureusement. Esquive, bah on va pas prendre une attaque gratuite, hein, on va rester là.
Ok. Ok, ça passe. Tente de nous faire tomber, mais ça rate. Mad, ça va être tanky tanky là. Hein. Même quand on touche, on fait des dégâts lamentables. C'est terrible. C'est terrible. On peut pas dépenser d'emplacement de sort, de toute façon on a rien. Ni créer un emplacement de sort, on a plus de points. Bon, je l'avais dit hein, lors du dernier épisode, à la fin du dernier épisode, c'était possible qu'on ne puisse pas gérer ça sans au moins un repos. Effectivement, je pense que ça risque d'être assez brutal. Bon, l'avantage c'est que les archers tirent sur Damned. Même si de temps en temps il touche, hein, parce qu'il a une plus faible CA, ça veut aussi dire que c'est des PV supplémentaires qu'ils doivent encaisser, ben, que les autres... Bon, du coup, essaie de finir celle-là. Oh non, oh, c'est pas vrai. Du coup, essaie de finir celui-là plutôt. Ok, au moins. C'est fait. Alors ici... les plus gros DPS. Alors déjà, on va claquer le petit pouvoir. Je pense que c'est le moment là. 16 plus 12. Toi. Électrocute lui la tronche, s'il te plaît. Merci. Du coup, tu peux reculer. Are you okay? Ouais, faut encaisser. Hein. Je crois qu'on a 18 ou 20 CA, je sais plus. Alors, là tu vas me lui cramer sa tronche. Oh non, sérieux. Ah, les échecs quoi. Ok, du coup ils attaquent moi aussi, c'est pas si mal. J'ai de force qui rate. Bon, Mad au moins, il fait son taf de tank, faut pas dire le contraire. Par contre cet archer là il est monstrueux hein, putain. Y a plus personne au contact là, c'est dommage ça. Faut le taper de toute façon. Voilà. Si Cormar, je suis con, il était au contact de Mad aussi. Ok, tu vas rester là. Bon, on a déjà perdu tous nos PV bonus avec Mad. Et il touche et il fait 4. Et il touche et il fait 7, c'est mieux. Alors là, je peux tenter de taper là-dessus, mais on va plutôt essayer de finir celui-là, en tout cas de l'entamer. Voilà. Ouh, ça touche ça. Plus cuit dégâts pour Mad, il va falloir claquer une popo. Ici. Ouais, ça on est capable de lancer deux trucs. Hein. Another victory. Ok, un de mort. C'est pas mal, au moins on a dégagé le chemin, on va pouvoir commencer à leur cramer la tronche. Non, on laisse Mossis ici pour qu'il enchaîne éventuellement une autre, petite rafale de, flèches. C'est pas passé loin de ses oreilles, Amad, ça. Alors, est-ce que notre archer sniper continue à sniper? Ouais, ça va. C'est juste quand même. Hein. Du coup, là, on n'est pas le choix, faut qu'on aille là pour pas bloquer le chemin au lanceur de sorts. Même si ça me plaît pas trop d'être exposé au, tir. Bon, on a buté une goule, c'était rentable.
va même se mettre ici du coup pour être un peu protégé des tirs. Ici il faut qu'on fasse tomber celle-là. Voilà. Et ça s'arrête par contre. Allez, crame-lui la tronche. Wait till the next one. Je me demande si je vais tester juste pour voir. Non, ça leur fait pas de dégâts d'être éclairé au ghoul. Bon, là on va être éclairé donc ils auront peut-être plus de désavantages les archers, mais c'est pas grave, hein, c'était pour le test. Again, harder. Même quand il touche, il fait des 1 aux dégâts, quoi. Coup critique. Ça fait mal. Ouais, ils ont plus de désavantages vu qu'on est bien éclairé. On va vite faire ranger cette torche, par contre. Dès qu'on pourra. Allez, là, faut finir la ghoul, celle qui fait le plus de DPS. Ça s'est raté. Oh, bad luck. Mad, tu peux pas boire cette potion parce qu'elle est non identifiée. Merde. Ça c'est ballot. Bah du coup il va falloir que tu cognes et que quelqu'un d'autre te file une potion. J'ai dit que tu cognes. Non, tu ne veux pas. Bon bah du coup, va te faire foutre. Bah voilà. Oh là 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 là. Mad quoi. Le pire prêtre de l'univers. Y'a pas d'autre mot. Aïe aïe aïe. Waouh, Roger qui prend cher lui aussi le pauvre. Allez, il reste un PV, t'es obligé de la tuer, et c'est là qui fait un 9 de dégâts. Normal. Allez, faut qu'on descende, qu'on se prépare à leur taper dessus. Roger, faut tenir. Tu vas avoir droit à une petite potion, je pense. Ok. Ouais. Pour boire cette potion. Et après, un petit coup de dague retourné. Mad, on essaiera de t'aider dès qu'on pourra. Pour l'instant, on va essayer de survivre. Là, on va venir ici. Je pense que si je fais ça, j'ai un malus. Hein. Juste pour pouvoir avoir le bonus d'attaque sournoise. On arrive quand même à se rater comme une cave. Alors, niveau couverture, il n'y a pas de couverture complète en fait. Je pourrais monter là et je vais me faire allumer si je fais ça, donc revenir ici. Lui il a quand même une couverture complète. Donc, du coup, vu qu'ils n'arrivent pas à faire mal à sa squelette, on va lui tirer dessus dans le dos. Enfin, bon, on arrive à lui faire un peu de dégâts. 18, ça fait mal. 19, parfait, c'est la fête. 15, ça passe ça. Aïe aïe aïe. Allez Roger, faut sauver Dame Ned. Parfait. Essayer de les forcer à se rapprocher en se mettant dans un angle mort. Bon, Mad va réussir à se relever, hein, vu comme il est parti. Alors là, ah, on a un angle direct là. Ah, 10, bah voilà. De temps en temps, on arrive quand même à faire des jets. Avec
fais un peu toi. Allez, crame-lui la tronche. Ok. Un de moins. Oh le 16. Oh, ça pique. Ça pique tellement fort. 18. Bon. Damned va falloir qu'il passe derrière. Du coup Roger, tu viens devant. Oh là là, non mais ratez pas vos tirs. Aïe 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 aïe. Encore un combat épique. Ah, Mad a réussi à se relever. Truc de fou. Fonce. Tu vas foncer par là-bas, essayer de prendre celui-ci de flanc. Allez, feu. Non! Mais non! Mais non, mais faut pas faire ça. Faut pas faire des choses comme ça. C'est mal. C'est très très mal. A modest success. Toi, tu vas venir ici. Peut-être qu'ils auront envie de te tirer dessus, puis c'est toi qui as le plus de vie après tout. Ok, ça s'est raté. Ça. Aïe aïe aïe, ça m'est d'amener à la terre. On va devoir aller au contact avec lui. Oh, next time. Faut pas rater. Ouais, bon, le petit coup de dague, voilà, c'est pas si mal. Tu vas aller derrière pour pas gêner le l'attaque. Ouais. Non, c'est tout merdique. Du coup, ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller ici. Tu vas stabiliser Damned, tant pis. Voilà. Et tu vas te planquer avec tes 1 PV. Et là, alors là, on aurait le choix éventuellement de shooter ces deux là, ça peut se tenter. On fait quand même des dégâts qui sont assez corrects même quand on se rate. Oh non, le 15. Ok, ça c'est un échec critique, c'est parfait. Il les attire dans la chaussure et ça, ça rate aussi. Ok Roger, tu vas plutôt venir là en fait, parce que comme ça tu seras couvert par le mec sur lequel tu tapes, enfin, sauf s'il meurt bien sûr. Allez, on va commencer à se déplacer vers eux. Toi c'est pareil, faut foncer, même si c'est pas ouf. Ici. Hop, hop. C'est quand même puissant le truc qui fait que même s'ils ratent, on les touche. Hein. Enfin, on leur fait au moins un petit peu de dégâts. Aïe. Ok, on n'est pas encore mort. On résiste. Ah, c'est dommage, c'est Roger qui joue en premier. On va pas avoir l'attaque sournoise. Bon, de toute façon, on rate, donc on n'a pas d'attaque du tout. Comme ça, c'est fait. Bon, là, clairement, avec un seul PV, on est tendu. Hein. En plus, si on touche pas. Ok, bon, quand même. Viens ici, toi, pour pas gêner. Donc là, du coup, on va pouvoir reprendre ça. 3 de dégâts, t'es sérieux? 16, ça passe pas. Allez, il y a l'attaque sournoise là. Oh là 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 là, c'était tendu ce combat. Et du coup, on a nos niveaux. On a nos niveaux, mais alors, waouh quoi. Il va falloir qu'on aille ici faire un petit repos court. Ouais, il lui reste plein de dés de vie. Hein. Par contre, Mad, il en a plus un seul. Hein. On crame du jet, hop.
Hop, 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 voilà. Allez. Tu vas identifier la magie de ça, s'il te plaît. Qui est une potion à remède ultime, je sais plus quoi là. Qui va nous permettre de soigner l'ami d'Amned. 10 de soins. Sérieux, c'est censé être combien? 4d4 plus 4. Donc le max c'est 20. On va dire que voilà quoi. Toi, il faut qu'on te redonne des potions. On va te filer ça. Voilà. Toi, t'as une potion d'invisibilité et un petit remède. Et toi, t'as quelques potions. Voilà. Bon, bah du coup, on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. On est à peu près remis. On va voir ce que les combats nous prévoient ensuite. Et on se dit à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous.